Salut à toutes et à tous, c'est Nico Games. On se retrouve sur Call of Duty Modern Warfare 3. C'est pas important qu'on soit sur Call of Duty Modern Warfare 3. Ce qui est important, c'est que je pense peut-être à me présenter. Car je dois avouer que lorsque j'ai reçu mon Dazzle, j'étais pressé de faire des vidéos, mais j'ai pas vraiment pensé à me présenter. Donc c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Donc je vais vite fait vous parler du gameplay au début et un petit peu à la fin. Donc je joue à la MP7 silencieuse. Pour tous ceux qui veulent me critiquer et mettre des pouces rouges et mettre des dislikes juste parce que je joue avec cette arme, et ben écoutez, faites-le. Car moi je trouve que dans ce jeu, à part les FPS de Fakimbo, il n'y a aucune arme de cheatée. Il y a des armes faciles, faciles d'utilisation, d'autres plus dures, mais aucune arme ne cheat. Donc voilà, je tenais juste à dire ça. Donc voilà, donc c'est MME sur Outpost à la MP7 silencieuse. Le score, vous le verrez à la fin. J'en parle pas pour le moment. Alors, ouais, donc je vais me présenter. C'est ma troisième vidéo commentée, mais je me présente seulement maintenant. Donc, en fait, je m'appelle Nicolas, j'ai 13 ans. Je fais de vidéos depuis un mois maintenant, à peu près aux alentours de un mois. Je fais des vidéos sur... Enfin, ma chaîne déjà est dédiée aux jeux vidéo. Donc, Call of Duty, Minecraft, Battlefield. Aussi, pour les infos, je vais sûrement précommander Black Ops 2. Alors, jusqu'à maintenant, ce que j'ai fait pour Modern Warfare 3, quand Modern Warfare 3, il faut savoir que c'était mon premier Call of Duty. J'ai acheté seulement après Modern Warfare 2 et encore après Black Ops. J'ai pas du tout fait dans l'ordre. Mais Modern Warfare 3, je l'ai acheté à Noël, c'est-à-dire de l'acheter à sa sortie. Donc là, je vais précommander pour l'avoir vraiment à sa sortie. Sachant que avant une date précise, on n'a pas le droit de faire de vidéo dessus. Enfin, avant la sortie officielle, on n'a pas le droit de faire de vidéo dessus. Donc je vais respecter, je vais faire ça. Voilà, donc je me présente. Donc je m'appelle Nicolas, j'ai 12 ans. J'ai 13 ans. Donc en fait, je passe en 4ème là. Voilà, donc après les vacances, je suis en 4ème. Ouais, donc je fais ma chaîne est dédiée aux jeux vidéo, Call of Duty, Minecraft, Battlefield et d'autres jeux à part, c'est-à-dire que je suis pas spécifié simplement sur une sorte de jeu vidéo en particulier, même si je fais plus de vidéos sur Call of Duty pour le moment. Ça peut changer, hein, ça se trouve pendant une période je vais faire des vidéos pas mal de vidéos sur Minecraft. Ça peut varier, mais en tout cas ça sera toujours ce que je veux dire, c'est que j'aurai jamais 15 vidéos de Modern Warfare 3 à la suite sans faire de non, oublie ce que j'ai dit, ce que je voulais dire. ce que je voulais dire, c'est que j'essaie de varier un maximum, quoi. Donc là, si je rêve pas, j'ai fait une triple pleine tête. Aussi, oui, j'aimerais dire, j'ai montré le gameplay à mon pote et en fait ils m'ont dit que c'était du boost. Et en fait non, c'est parce que tout le monde était au sniper, d'ailleurs j'avais pas mal de chance. Et en fait je jouais simplement avec drone, predator et hélico. Je me suis dit je vais pas mettre des gros trucs comme ça, ça va être facile, je vais mettre des drones et tout. Et en fait moi j'ai réussi à faire une grosse partie. C'est pas du tout du boost, hein. Voilà, donc après vous me croyez pas. Mes potes me croiront, de toute façon j'en suis sûr et certain. Ouais, donc voilà, donc qu'il y en a de plus sur moi. Je vais faire pas mal de vidéos avec des amis. Ah oui, j'enregistre avec un Dazzle Video Creator, mais ça je l'ai dit dans ma première vidéo en jeu d'armes sur la map grid. Prochainement je vais faire une vidéo débat avec Cole, sa chaîne dans la description du coup. Avec Cole, c'est le débat, ça va être enfin le débat, je sais pas comment dire ça, mais ça va être plutôt un espèce de tutoriel sur Modern Warfare 3, c'est comment faire de grosses parties. On ne prétend pas être des très bons joueurs. La preuve, on n'a jamais fait de Moab, ni lui ni moi n'avons fait de Moab. Bon, en même temps on n'a jamais vraiment
tenter de la faire. Enfin, moi, peut-être, pendant une période, je tentais d'en faire, mais je fais le. Alors, avant que j'en fais, je fais le. Près de la moelle, donc franchement, ça me dégoûte et ça me fait rager plutôt que chose. Donc, perso, j'arrête les tentatives pour moi. Après, si vous en voulez, je peux vraiment jouer à fond comme ça, rager comme un porc dessus. Mais franchement, ça me saoule un peu ça des mois parce que ça me fait rager plutôt quelque chose. Mais si vous en voulez, bah écoutez, je vais essayer de vous en faire une si j'arrive pas. J'en demande à Exotic par exemple, car Exotic lui est à 21 mois. Le mec il lance une partie, il dit tiens quoi, je vais faire une mob. Hop là, il l'a fait. Le mec il gueule même pas, il dit ouais. Enfin voilà quoi. Ouais, sa première était pété rire. Enfin, il était pété rire. Il n'était pas pété rire, j'ai n'importe quoi. Il était super content, mais là franchement. Il fait une moi pour lui c'est rien, hein. C'est comme si c'est aussi facile que de danser la partie. Voilà. Donc 31 juillet, live avec la TSP, la MSG, 2 ou 3 anglais, enfin bref, vous verrez bien, il y aura un live sur la chaîne de Cole et aussi sur ma chaîne à moi. Non, donc là, ouais. Je vais pas vous quitter maintenant. Ça se trouve, je vais finir de parler. Bah déjà, je vais vous laisser regarder le score. Donc 37-3, mon petit gameplay. Ouais, bah en fin de compte, je vous ai à peu près tout dit, hein. Je vous ai à peu près tout dit sur ma chaîne. Ouais, il y aura peut-être des tutoriels aussi. Bah écoutez, c'est tout en fait, hein. Je vous parle pas énormément plus longtemps que sur le gameplay. Je sais pas si ce que je viens de tourner était français, mais je l'ai dit, c'est ce qui compte. Voilà, donc c'était Nick Games pour me présenter en fin de compte, hein, me présenter seulement maintenant. Et en fond, vous avez un bon petit gameplay à la MPC sur votre poste en MME, un 37-3. Donc voilà, donc j'espère que vous avez aimé, mais. Je la refais. J'espère que vous avez aimé, virgule, aimé, commentez, abonnez-vous. Salut tout le monde.